L'heure de la vengeance a sonné. Faut pas que je me plante sur ce coup-là, sinon je suis mort. Alors. C'est le chant du cygne, Swan. Bien, bonjour à tous, c'est MatSolidSnake44, et maintenant qu'on a dessoudé le gros empaffé qui m'avait bien fait chier quand j'étais allé chercher le détective Nick Valentine
l'étendue single dans l'espèce de station de métro. J'ai enfin décidé de me débarrasser de cet empaffé pour récupérer ce qu'il avait sur lui et puis dans le petit coffre aussi là. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était dans l'épisode combien? 10, 11? Oh non, plus que ça? Non, 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 c'est peut-être même plutôt 16, 17. Bon, je sais plus. Ça fait un moment que je l'ai fait. Enfin bref, voilà, je lui ai réglé son compte. Il n'en sera plus de cailloux dans la gueule des gens. Et Caillou qui était vraiment... mais. J'avais faim? J'ai trouvé à manger. Ouais, bah c'est cool. Non, j'ai pas faim, merci, je viens de manger. Ouais, j'ai essayé de l'affronter plusieurs fois depuis. Il y a un truc que j'ai remarqué, que j'ai trouvé, mais complètement abusé et cheaté. Je crois que je vous l'avais déjà mentionné une fois, mais j'avais voulu vérifier. J'ai essayé le ralenti. Je pense pas que j'ai de vidéo à vous en montrer, mais c'est dommage. Mais les cailloux qu'il balance, les behemoth, ils sont complètement cheatés. Parce que, en fait, vous avez beau enclencher un jet pour pouvoir essayer de l'esquiver plus facilement. J'entends une espèce de radio, là. Oula ! C'était quoi ce flash, là ? Il y a eu une explosion de Fatman ou d'une espèce de bombe, je sais pas quoi. Oui, je disais, le caillou, vous avez beau essayer de l'esquiver, j'ai vu qu'il, quand vous sautez sur le côté, il change de trajectoire en plein vol. Tout à coup, il part en courbe pour vous toucher quand même. Le truc, il est complètement téléguidé, c'est du grand n'importe quoi. Donc, il est extrêmement compliqué d'esquiver ce rocher. Donc, ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, où est-ce que je me dirige là? Je vais pas dans la bonne direction en plus. J'essaye de pas trop justement marcher vite pendant que je vous parle pour pas être distrait et aller n'importe où. On va faire la mission qui s'appelle Rideau aujourd'hui. Voilà, enquête sur l'appel radio. Il faut que je me rende dans une tour, la Trinity Tower. Il y a un monsieur Rex qui s'appelle, qui a été capturé par les super mutants. On a son appel de détresse, je crois qu'on peut écouter. Allez, SOS, Mayday, je ne sais pas trop ce qu'on est censé dire à la radio. Je m'appelle Rex Goodman et je suis retenu prisonnier au sommet de Trinity Tower. Je pense que les super mutants ont l'intention de me manger incessamment sous peu. Merde. Je passe le message en mode répétition. Oh merde, je dois couper. Voilà, j'entends, donc c'est par là, on va aller le sauver. À l'aide, SOS, Mayday, je ne sais pas trop. Moi aussi je suis dans la bonne direction, ça va aller. Qu'est-ce que je vais prendre comme arme? Allez hop. Rex Goodman, je suis retenu prisonnier. La grosse sifflatouse. Je pense que les super mutants ont l'intention de. Ah, je pense que c'est ça la Trinity Tower. Passe ouais. Le message en mode répétition. Oh merde, je dois couper. J'entends un super. Escarmoucheur super mutant. On va se faire une sauvegarde rapide. Alors j'ai augmenté la difficulté depuis quelques temps. Il me semble qu'on est en normal parce que je commençais à trouver ça un peu facile. Je pense que à force d'améliorer mes armes et de monter en expérience, les combats deviennent un peu plus faciles. Donc on devrait rencontrer plus de résistance et des super mutants en plus. Si c'est trop chaud, on baissera, hein. Ou alors on abusera du psycho et du médic, on verra, mais... On va lui faire fermer sa gueule quand même, parce qu'il va répéter la même chose sans arrêt, sinon ça va être bien lourd. Allez Preston, t'es dessus là, hein. Tu me lâches pas. J'entends quelque chose. C'est quoi ça? Ça fait pas beaucoup de dégâts la Gatling. Mais... la vache. Mais bien joué. Tu l'as eu d'un seul coup avec ton espèce de petit éventreur à la con, toi. Il est parti où l'autre? J'étais un petit peu inquiet pendant les premières secondes où j'ai commencé à tirer à la Gatling là parce que je me disais putain sa barre de vie. Il est sans armes. Elle descend vraiment très doucement. Bon bah écoute, pour une fois que t'es pas manchot mon gars, je salue ton adresse. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à ramasser en bas? Capuche de super mutant? C'est bizarre ça.
on ramasse des armures de super mutants. Je crois savoir à quoi ça va servir. Il me semble que dans cette mission, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai un petit peu regardé mon guide vite fait, je sais qu'il y a un acolyte super mutant qu'on peut avoir comme compagnon. Et les armures de super mutant, je crois que c'est à ça que ça sert. Ça va servir pour lui, on pourra les lui donner. Parce que bien sûr, il pourra pas s'habiller avec des vêtements d'humain classiques, comme je peux en donner à Preston ou à d'autres acolytes. Bon, là, on ressort. Je fouille un petit peu ce qu'il y a en bas, vite fait, là. Et après, on va monter, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, de toute façon. Bon, ça, c'est le chien. Ok. Bon, allez, on grimpe. Je me supprime mon armure T60 pour cette mission. J'aurais pu prendre la X1, mais la X1, elle n'est pas finalisée. Il me manque encore une pièce. J'ai trouvé pas mal d'armure en fouinant ces derniers temps. Bon, à mon avis, c'est forcément par là qu'il faut qu'on aille, hein, c'est sûr. Il y a l'icône dessus, de toute façon, sur l'ascenseur. Mais on va continuer de fouiller les environs. J'ai commencé à améliorer un petit peu mes armures, à les rendre un peu plus résistantes, à leur mettre des blindages, des machins, des capacités à pouvoir porter plus de poids, tout ça. Celle-là... Ah si, je l'ai. Il y a un truc que j'aime bien et que j'ai mis, alors là, je sais pas si ça va beaucoup me servir. C'est surtout quand il fait sombre que je trouve ça utile. L'ATH de visée spéciale qui fait apparaître toutes les cibles en surbrillance rouge. Je trouve ça vachement pratique. Mais pour l'instant, je suis pas encore rendu assez loin en expérience pour avoir tous les modules. Ce que j'attends d'avoir avec impatience, c'est le Stealth Boy spécial pour l'armure assistée, le jetpack, ce genre de truc, quoi. Après, une fois qu'on aura tout ça, je pense que ce sera bien Fandar. Il n'y a pas beaucoup de résistance pour l'instant. Le jour commence déjà à tomber, il est quelle heure? Ah, il est déjà 4h30 de l'après-midi. Ça sert à rien d'aller par là, à part tomber, je pense. C'est tout ce qui va nous arriver. Bon, j'ai pris du lourd pour cette mission au cas où, hein. Je sais pas exactement s'il va y avoir du vrai défi ou pas. Ah oui, je crois que c'était qu'on tombait dans un trou. Hop, je me suis pris... qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris mon chevalier 7... pour repousser les ennemis un peu trop qui s'approcheraient un peu trop près. J'ai acheté ça à l'armurière du château, comment elle s'appelle, Ronicho ou je sais plus quoi. Je vous l'ai pas montré encore. Alors celui-là, c'est une version spéciale que je lui ai acheté, ça m'a coûté bonbon. C'est pour ça qu'il coûte super cher, parce qu'il est déjà quasiment optimisé à fond. Et c'est normalement, c'est le canon Gauss, je crois, un truc comme ça. Je le trouvais vachement classe. J'ai pas encore eu l'utilité. Enfin, je m'en suis pas encore beaucoup servi. Je sais pas vraiment ce qu'il vaut. Mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal comme arme. Par contre, les munitions sont super rares. Faut que je fasse gaffe à pas dilapider. Je me suis pris une gatling que j'ai améliorée. Le lance-roquette. Et puis voilà. J'ai pas pris le Fatman parce que je pense que ça ira. Je l'ai rangé au château après avoir tué Swan. Ça pèse assez lourd. Donc il faut qu'on redescende, c'est à l'étage en dessous, je crois. Attends. Eh ben, je suis pas allé voir dans le coin, là. Si. Si, je suis allé voir. Putain. Il manque juste quelques petits trucs, je dirais, qui pourraient être sympas avec ces armures. Un dash pour faire des esquives. Ça, ce serait bien, mais je crois pas qu'il y en ait. Preston ? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le... Tu manques ton cul, oui. Puis lui, il va se balader tout le temps avec son éventreur de merde. Allez, rentre. Voilà. Tu tues seulement les plus faibles. Ça te rend plus fort. S'ils peuvent pas tuer un petit humain, ils valent moins que rien. Je sais pas qui c'est qui parle. Sans doute le chef des super mutants. Bah, je vois personne.
Là, on peut peut-être aller dans la cage d'ascenseur, mais si je tombe dans le trou, je pourrais pas remonter. Ça va péter! J'ai perdu le visuel. Ils sont passés. Putain. Allez, montrez-vous, là. Rien à craindre. Oh merde, j'ai des mines. Quel con. Oh putain. Bah, la mine, elle aura servi à quelque chose, finalement. Putain, mais il se déchaîne, hein. Putain. Stop, tu scies dans le vide. Hey, je vous écoute. Il fait ça tout le temps, j'adore ça. C'est trop con. Il continue de scier le mec alors qu'il est mort et il tranche dans le vide. Par contre, il a déjà perdu une bonne partie de son armure. Où t'as filé, hein ? On va te trouver. On va te tuer. Écoutez, je vais pas perdre du temps comme d'habitude à fouiller partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le ménage. Et on repassera après tout fouiller. J'ai juste fouillé les corps. Faudra bien que tu te montres tôt ou tard. Quoique, il y a peut-être des clés, des mots de passe à récupérer. Ouais, c'est ça qui est chiant. Ou au pire, je vous fais des coupures pendant que je fouille, je sais pas. Je vais pas tarder à te trouver. En plus, ça a l'air assez... on est en intérieur, c'est assez exigu ici. Pour la vue à la troisième personne, c'est pas super. Petit crochetage. Je pense que cette vidéo va être un peu plus sympa que celle que je vous ai faite hier sur le sous-marin avec le chinois, là. Cette quête-là, franchement, elle m'a déçu, quoi. Je m'attendais à quelque chose de mieux que ça, quand même. Quoi ? Qui est là ? Ah d'accord, on revient ici. La cervelle. Ouais, c'est plutôt moi qui va te défoncer. Bah finalement, en normal, ça passe crème. Mes oreilles me jouent encore des tours. Oh, on dirait qu'il pleure, le truc. Style gros bébé. Mais j'ai peur qu'en montant en difficile, après, ce soit l'inverse, quoi. Ce soit trop dur pour le coup. On pourrait essayer. C'est quoi, ça ? Peut-être une autre fois, je sais pas. Bref. Perte de temps. Non, je vais pas aller voir dans l'ascenseur, parce que si je reste coincé, j'aurai l'air con. Ouais, là-bas il y a l'escalier. On finit de fouiller ici, après on monte. Oh putain, c'est chiant de crocheter juste pour une petite boîte à outils comme ça, honnêtement, quoi. Voilà, maintenant je suis trop loin. C'est bon. Scotch. Ouais, faut que je recommence à tout fouiller parce que et à prendre du bric-à-brac parce que je commence à. J'avais fait un très gros stock de provisions, de bric-à-brac pour améliorer mes armures et tout, mais comme j'en ai pas mal dépensé, je recommence à. Je vais finir par en manquer bientôt. Tu te vas bien, presque aussi bien que le super mutant. On va peut-être. Ouais, ça va, ils sont résistants quand même. Ouais, faut que je fasse gaffe à ma vie quand même. Parce que quand je suis en armure, je regarde pas assez la joue, j'ai pas l'habitude.
quoi ça? Ah bah ça on prend. Ah c'est pas là. C'est par là. Fusil de chasse, on s'en fout. Viens voir un peu par ici. J'ai un cadeau pour toi. Bah, là il y a un coffre, mais je vois pas où est la sortie. Là. J'ai peut-être pris trop de précautions pour venir, encore une fois. Hein. Je me suis armé à fond, j'ai pris les armures assistées et tout, mais en fait, ça m'a l'air vachement jouable. Hein. Génial. Non, ouais, ouais. Hop. L'argent d'avant-guerre, en fait, que je vous disais au début que c'était pas très utile. Je savais pas si ça avait une utilité, en fait, quand vous en avez un bon stock, si vous revendez tout, vous pouvez vous faire un max de capsules. Genre 300 argent. Ah bah si, c'est là le passage. Je vais t'arracher les tripes pour faire quelque chose. Ah, c'est abusé. Encore une victoire des miliciens. Voilà. Il était pas très loin, il y a que 35%, 40% de chance de l'avoir. Faut pas abuser. Oui, je disais, avec 300 argent d'avant-guerre, par exemple, vous pouvez facilement obtenir plus de 1000 capsules. C'est un truc de fou. Alors, bien sûr, faut trouver le marchand qui va être capable de vous acheter tout ça. Hein. Ça peut se faire en plusieurs parties. À moins que vous avez revendu, acheté, pas mal de choses au marchand précédemment, juste avant, et qu'il ait du coup un gros stock. Faudra bien que tu te montres tôt ou tard. De capsules, personnellement, lui. Voilà. Alors, je sais pas combien il y a d'étages ici. Oh, putain, vous avez vu ces vieux ralentissements quoi, quand il y a une sauvegarde automatique. Encore un ascenseur? Mais ils sont où les autres alors? Ils sont à l'étage? Parce que j'entends encore gueuler. Je voulais me battre. Ouais, laisse-moi appuyer sur le bouton, voilà. Je me suis dégoté ça aussi, enfin c'est quelqu'un qui me l'a offert, le flambeur, une espèce d'épée en feu un peu spéciale. Ça m'a l'air sympa, ça fait pas mal de dégâts pour une arme au corps à corps. Mais lui, sa petite tronçonneuse là, elle fait de l'effet hein. Moi je la trouvais nulle, mais lui il s'en sert pas mal. Ouais non. Vu la troisième personne dans un ascenseur, ça marche pas bien. Petit problème de temps de décalage là. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils se planquent. C'est l'heure de mourir. Toi, joue avec moi. Tu es là. Pas fâché que ce soit terminé. Il se les fait tous, moi j'ai le temps de rien faire. T'as déjà peur? Tu m'échapperas pas éternellement. Putain, il y en a plein, ils sont partout. Viens, viens. Oh putain, ils sont deux. Ah, c'est le bordel. Ah,
jolie. Ouais, elle est super cette arme. Oh la vache. Ah, ils sont dans les étages, ils me balancent des grenades de là-haut. Putain, il y a un lance-roc. Il y a une gatling. Je peux pas lui tirer dessus, il est trop près. Préparez-vous. Ah, bien joué. Eh mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, lui? Il est énervé, c'est pas possible. C'est un fou furieux. Je vois plus de points orange, à mon avis on les a eus. Eh mais il se déchaîne. Ouais, il lui reste plus que le brassard droit, mais putain... Il est en forme, mon petit Preston, aujourd'hui. Je suis fier de lui. Ah, il arrive même à se téléporter à travers les étages. Oh, il est tout roussi, celui-là. Ah, c'est parce que je l'ai cramé avec mon épée, ou c'est une grenade qui lui a explosé à la gueule? Je sais pas. Ouais, je me suis fait un... Je vais vous montrer ça dans le menu. Je me suis fait un lance-roquette à 4... Comment dire, quadruple canon, voilà, c'est marqué à droite. Je cherchais le mot. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il tire toujours qu'au coup par coup. Voilà, à quoi ça sert d'avoir un quadruple canon si c'est pour tirer qu'un seul missile à la fois? Moi, je voudrais qu'il puisse en balancer 4 des roquettes d'un coup. Non, non, il peut tirer qu'une seule fois. En fait, c'est un chargeur de 4 roquettes. Vous n'avez pas besoin de recharger avant 4 tirs. Donc, c'est intéressant d'un point de vue cadence de tir, on va dire. Mais moi, j'aurais voulu qu'il puisse balancer les 4 d'un coup, quoi. Ça, ça aurait été intéressant. Bon. Oh là, on a une belle vue sur le stade de Diamond City d'ici. Par contre, ouais, petit souci d'affichage, je pense, hein, avec la distance. Oui, oulala, ouh, c'est très vilain, c'est très vilain. On va pas essayer de regarder ça davantage. Ok, je fais un petit peu le tour, et puis on va monter. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Encore un peu. Wayne. Ah bah voilà, un petit peu de trésor. Alors. Hop hop. Carabine de combat, non. Hop. Tout ça c'est bon. Bon, toujours aucune trace du mec qu'on doit sauver, hein. Je suppose qu'il est tout en haut. C'est quasiment certain. Je sais pas ce qui nous attend comme surprise. Comme boss final, sûrement un super mutant bien balèze. J'ai pas pris le Fat Man, donc... je sais pas s'il sera... easy à buter ou pas. En même temps, le Fat Man en intérieur, c'est pas très recommandé, je pense. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de Behemoth. Ça m'étonnerait quand même, ce serait abusé à l'intérieur d'une tour comme ça. Encore un studio d'enregistrement, non. On faisait sûrement des émissions de télé ici avant, je pense. Bon, écoutez, on va continuer à monter, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Celui-là, c'est celui que j'ai tué au lance-roquette. Ouais, là, ça monte, ça continue. Hop, les steam packs maintenant, j'en ai tellement que je pense que... Je doute que je tomberai à court, quoique... Il me reste encore de très longues heures de jeu devant moi. Hein. Je suis même pas sûr d'être encore à la moitié du jeu. J'ai l'intention de tout faire, de toute façon, hein. Toutes les quêtes... principale, annexe, toutes les factions, donc
Enfin, peut-être pas toutes les factions, parce qu'il me semble qu'il y a un moment où il faudra choisir son camp, donc... Mais j'essaierai de toutes les faire en faisant des sauvegardes... Ah, alors... Tu paries que quoi? Désolé, je t'ai coupé la fille. Clé de la cellule de Trinity Tower... On peut voir tout le Commonwealth. Sans doute. Tiens, tiens. Oh, par le barde immortel, quelqu'un est venu à mon secours. Personne n'était jamais arrivé jusqu'à la cage. Je pense que les super-mutants ont tué et... dévoré les autres. Vite, sortez-nous de là. Autres frères viendront bientôt. Eux savent que Tour est attaqué. Ah, le voilà l'acolyte, Strong. Le super-mutant aussi. Oui, lui aussi. Il est inoffensif. Enfin, j'exagère. Il est loin d'être inoffensif. Mais il ne vous fera aucun mal. Faites-moi confiance. Strong, écrabouille pas toi si tu sauves Strong et Rex. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce qu'il fait dans une cage, ce super mutant? Il a défié son chef en prenant ma défense. J'ai donné un nouveau sens à sa vie, voyez-vous? Je suis venu ici pour donner un peu de culture à ces pauvres créatures ignorantes. J'ai commencé par Macbeth. Je crois qu'ils ont tous trouvé ça très drôle. Tous sauf Strong. Strong apprend secret de pouvoir humain avec Macbeth. Ouais. Lait de tendresse humaine. Strong va trouver lait. Strong va boire lait. Strong va gagner pouvoir secret des humains. Mais oui, c'est ça. Quand ils ont jugé qu'ils s'étaient suffisamment... Pour les super-mutants, c'est pas des flèches. Ils m'ont jeté là-dedans. C'est pas des intellectuels. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il y avait une radio dans cette cage. Ils savent, c'est appât pour attirer autre humain. Quoi? Tu n'aurais pas pu me le dire plus tôt? Strong pensait que tu savais. Vous voyez un peu ce que je dois endurer ici? J'ai promis à Strong que je l'aiderais à trouver le lait de la tendresse humaine si on sortait d'ici vivant. Qu'est-ce qu'il comptait faire de Strong? Le balancer par le toit de la tour. Ils ont ouvert des paris pour savoir combien de fois il rebondirait. Ok. Bon bah je vais les libérer tous les deux, mais je pensais qu'il allait y avoir encore beaucoup de combats, moi. Je vous fais sortir. Faites vite. Suivez Strong. Il connaît le chemin pour sortir rapidement de cette maudite putain. C'est toi qui as balancé le cocktail là? Bien joué. C'est quoi ça? Ah non, c'est une arme. C'est une arme de fortune. Pas la peine de laisser ça au pilleur. Ok. On va la prendre quand même parce qu'elle a l'air avancée et je pourrais la démanteler. Attendez, parce qu'il y a peut-être des trucs à prendre ici. Ah oui, il y a un truc à prendre. Bingo. Très important, figurine de corps à corps. Les dégâts critiques augmentent de 25 points pour toutes les armes de corps à corps. Très bien. C'est quoi ça? Script de Macbeth, dame de compagnie, tenez la voilà. C'est de la poésie ça, j'y connais pas grand chose. C'est un écrivain Macbeth, sans doute. J'y connais rien. Hop. Littérature, c'est pas mon faudra truc. Faudra bien que tu te montres tôt ou tard. Ah d'accord, on va monter dans l'espèce de nacelle. On va être un peu... Ah non, ça passe, c'est bon. Et toute cette histoire de lait de la tendresse humaine vient de ma vie. Je pensais pouvoir civiliser ces sauvages en leur déclarant ce chef. Strong, ici présent, pense que c'est le secret des pouvoirs de l'humanité. Alors il veut que je l'aide à le trouver. J'entends pas grand-chose avec le vent. Mais vous prenez du courage en citant le barde immortel. Bonne nuit. Bonne nuit. Si tout je fais la tarisse, s'il y a quelqu'un, je vais t'arracher les traits. Tentative. Si jeune.
Jamais Dupont ne vit longtemps. Les enfers restés vides déchaînent sur nos pas tous leurs démons avides. Acceptons. L'autre, il récite de la poésie pendant qu'on descend avec le truc, quoi. Les sages disent que c'est le meilleur partout. Il s'est arrêté. C'est quoi, ça? Allez, descendez, là. On va tous mourir, hein. Tout le monde descend. Hey. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Allez là-bas. Compris. Heureusement que l'autre il m'appuie avec sa gatling derrière parce que... Ça va, j'ai pas trop morflé. Putain, mais il y a beaucoup de soins ici. Attention, chef. Frères savent cogner fort aussi. Et il vient pas avec nous, Rex, là ? Ah, viens te battre, lâche. Attention. Montrez-moi. Tiens, mets-toi là, toi. J'aimerais pouvoir vous aider. D'accord, bon, allez. Je monte, on s'en fout. Chef a laissé partir eux. Ah bah, il se téléporte. Ok, parfait. Battez-vous. Faut faire gaffe, on se fait prendre par surprise, hein. Dommage. Plus d'une fois avant leur mort, le bras. C'est pas trop mal cette phase là, ça change, je trouve. On s'y attend pas du tout. Petite phase de shooting sur rail. Ouais. Alors, est-ce que je pourrais descendre, s'il vous plaît ? Preston. Attention. De quoi vous avez... Allez là-bas. Ok. Bon, hé, vous avancez, vous passez devant, vous avancez ou vous restez derrière, mais vous me gênez pas comme ça. On est revenu en bas. C'est l'heure de mourir. Ah, je peux pas sauter là, il y a pas la place. Qu'est-ce qu'il fout là, ces pillards? Hurle, supplie-moi de t'épargner. C'est terminé. Bien joué. Mais d'où est-ce qu'il sort? Ah oh, putain, j'allais le frapper, lui. Non, c'est Rex. Je crois pas Rex. Que ça va lui manquer. Merci de nous avoir sauvés. On peut dire que c'était moi une. Que faisiez-vous là, crétin? Payez-moi. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette tour? Je me suis dit que si les super-mutants ne venaient pas à la culture viendrait à eux. J'essayais de les civiliser. Ouais. Je pensais qu'en c'est leur réussi. Faisant entendre toute la majesté de Shakespeare, leur vision du monde serait bouleversée. Et ils seraient transformés à jamais. Et qui mieux que Rex Goodman, le plus grand acteur de notre époque,
pouvait leur faire découvrir les mille et une merveilles de l'œuvre du grand dramaturge ? En tout cas, je vous suis extrêmement reconnaissant. J'aimerais vous donner ceci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pense qu'il est grand temps que je quitte définitivement cet endroit maudit. Je retourne à WRVR pour reprendre ma carrière à la radio. Strong est disponible pour vous accompagner. Ok. Bon bah écoutez, c'était pas la quête. On doit avoir une sacrée vue du haut de ce bâtiment. Ouais, c'était pas la quête du siècle, mais c'était quand même sympa, je trouve. T'auras une seconde, mon grand ? Cherche l'aide tendresse humaine avec Strong. Pourquoi tu veux trouver ce lait de la tendresse humaine, au fait ? Lait est secret des humains. Macbeth dit que lait rend humain fort. Plus fort que super mutant. Strong trouve lait, boit lait, rend super mutant plus fort qu'humain. Ok, bah on te trouvera du lait, mon grand, si c'est ça que tu veux. J'ai un robot qui brasse de la bière, je sais pas si ça t'intéresse. Bah je vais le prendre avec moi, je vais le ramener au château. Hein. Ouais, je tiendrai ma promesse. Bien, Strong voyage avec toi, chef. Aide Strong à trouver l'aide de tendresse humaine. Strong apprend secret des humains. J'espère vraiment que vous savez ce que vous faites. Strong sait toujours ce que Strong fait. Humain s'inquiète pas.